Est-ce que tout est prêt? Presque. Presque? Comment ça, presque? J'ai parlé à Montréal. Nous aurons les satellites dès qu'on en aura besoin. Après quelques semaines d'incidents, le public acceptera le rappel en masse sans broncher. Et les cliniques? Nous contrôlons leur budget. Elles nous obéiront. Vous ne voulez vraiment pas attendre le référendum? On ne peut se le permettre. Le Conseil scientifique américain se réunit dans 5 mois. Mais la position des congressistes est en train de basculer. Je suis sûr qu'en étant patient, nous... Non. En rendant publique cette découverte, Sarif nous force la main. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain pour faire plaisir à Sarif. Et puis nous ne pouvons rien sans la biopuce. Vous avez dit que vous touchiez au but. La mise au point de l'interface nerveuse s'est révélée plus complexe que prévu. Mais grâce à David, je sais maintenant dans quelle direction chercher. À Washington, ce soir, la foule devant le Capitole n'en finit pas à grossir. Les manifestants exigent que le Congrès fixe de sévères restrictions aux technologies modificatrices du corps humain. Ceci fait suite à l'annonce de David Sarif, qui affirme que son entreprise a mis au point une méthode d'évolution contrôlée par l'homme et accessible à tous. Les chercheurs de Sarif Industries sont attendus demain à Washington pour présenter leur découverte. Voilà pour ce soir. C'était Elisa Kassan qui vous parlait en direct pour Picus. Sauf votre respect, j'ai absolument besoin de 2 détachements affectés à notre sécurité, sur le tarmac. Non, pas question de traverser le terminal. Trop exposé. Ouais. Merci de votre compréhension. Bonne nuit. Du con. Y a un problème? Non, non, rien de grave. Mais si vous continuez à tirer sur votre collier, Dr. Reed, vous allez le casser. Allez, Meg, c'est pas la première fois que tu présentes tes travaux. C'était différent. Jusque-là, c'était de la théorie. Mais ça, Adam, c'est énorme. Aussi important que la pierre de Rosette. Et alors, qu'est-ce qui te gêne? Ils voudront savoir comment j'ai fait. Megan, départ pour Washington dans... Adam, vous tombez bien. Besoin de moi, patron? Oui, je veux revoir votre dispositif de sécurité pour Washington avant le départ. Votre équipe est prête, Megan? Presque, David. Nous revérifions les données. Alors faites vite. Si vous voulez épater tous ces bureaucrates de Washington, encore faut-il que vous soyez à Washington. Je déteste quand il est comme ça. Allez, viens. Je t'accompagne un peu.
Tu devrais prendre l'habitude de verrouiller ton ordinateur, Meg. Je sais. Frank m'a fait la leçon lui aussi. Hé, hey, ne lis pas mes emails. Attention, accès réservé au personnel autorisé. Quand tu parlais de tes recherches, t'avais l'air bizarre. Non, non, j'ai juste un peu le trac. Il y a quelque chose que tu veux me dire, sur cet endroit, sur Sarif? Mégane? Excuse-moi. Il reste des fluctuations biochimiques au niveau des cuves à flux continu. Eh bien, c'est peut-être l'afflux des neuropeptides de la couche de pédote qui dérègle le calibrage. Très juste, je vais vérifier. Tu te poses encore des questions sur David? T'es ici depuis assez longtemps pour savoir... Eric, vous n'essayeriez pas de m'éviter par hasard? Je me permettrai pas, Docteur Reed. Et je crois savoir ce qui fausse les résultats de Declan. Excès de peptides? Ça pourrait être la rupture du tissu glial que nous avons noté après introduction de la protéine répresseur. Avec un meilleur cytomètre... Nous obtiendrions une lecture plus fine pour confirmer votre théorie. Je vais en parler à David. Et s'il le commande chez Page Industries, on aura peut-être droit à une autre machine à cappuccino? Tu réfléchis trop, Adam. Notre travail est utile. Nous aidons les gens à dépasser les limites physiques de leur corps. Ouais. Sauf qu'on travaille surtout pour les militaires. Pas seulement les militaires. On travaille pour les écoles, les docteurs, les ouvriers du bâtiment. Oh, merde! Fais gaffe, Eddie! Ces boîtes valent 10 ans de ton salaire. Désolé, désolé. Nia, tu es bientôt prête? Pour Washington? Bah... Ah, Docteur Reed, voici le général O'Neill. Le docteur Sevchenko me disait que vous aviez progressé sur le Typhoon. Oui, grâce à Vassili, d'ailleurs. Donc, mon général, le Typhoon est basé sur un châssis de combat semblable au mien. Mais je l'ai amélioré en ajoutant des micro-charges ajustées pour propulser les billes en acier. Et l'évacuation des gaz? Gérée par des valves cinétiques sur l'augmentation. Regardez. Allez-y. Remarquable. Ce sera opérationnel quand? Désolé, je dois y aller. Mais Vassili connaît tous les détails, mon général. Je vous suis. Nous devons encore améliorer la précision. Ouais, t'as raison. Dans les écoles, ils rêveraient d'avoir un truc comme ça. T'es à côté de la plaque. Ces contrats militaires nous font vivre. Mais les augmentations neurales permettent de penser et de réagir plus vite. Elles peuvent améliorer le quotidien. Le quotidien de chacun. Ça fait des années que David parle de ça. Ouais, ça pour parler. C'est un homme bon. Avoue-le, Adam. Quelque part, tu l'aimes bien. J'aime tout le monde, Docteur Reed. Ouais. Ben voyons. Et toi, tu t'arrêtes où? Je dois passer au bureau de Diane pour lui laisser ma clé. Elle ira promener Kubrick. Il a grandi, tu sais. Il abîme toutes mes plantes. Il a fini par le casser, ce vase? Je l'ai déplacé. Et j'ai mis une clôture autour du jardin. Comme tu avais dit que tu le ferais. Ouais. J'ai jamais trouvé le temps. Je regrette. Moi aussi. Et beaucoup d'autres choses. Adam. Il y a quelque chose que... Bonsoir. Richard. Alors, prête pour le grand voyage? Voilà Farida. Je devrais bien y aller. Bon, on se retrouve à l'hélistation, Adam. D'accord. Je vous ai interrompu, Jensen? Vous avez réparé le pare-feu? On ne répare pas un pare-feu. On trouve la faille et on la colmate. Et vous l'avez colmaté? Oui. Vous voulez les détails? Oh, c'est vrai, j'oubliais. Ex-flic. Vous ne comprendriez pas. Ex-SWAT. Je pourrais vous surprendre. Sarif vous a aussi appelé. Athènes. Je dois lui montrer comment utiliser les implants de localisation de nos chercheurs. Au cas où il y ait une faille dans votre dispositif de sécurité à Washington. Aucun risque. Messieurs, quel plaisir de vous voir ensemble. Entrez, Adam. Il vous attend. Dépouillez-vous comme vous voulez, mais je veux Yutaro à Washington à côté de moi. On ne convoque pas un type comme lui. C'est un prix Nobel. Les sénateurs l'adorent, Lyle. La commission se passera d'autant mieux s'il est là.
Demain, c'est le grand jour. Est-ce que tout est prêt ? Oui, monsieur. La police locale nous escorte jusqu'au Capitole, puis les services fédéraux prennent la suite. Bien, bien. Et notre amie tient le coup ? Un peu nerveuse. Elle devra juste présenter ses recherches. Elle vous a un peu expliqué ? La science, c'est pas vraiment mon truc, patron. C'est incroyable. Tous ces puristes nous accusent de trafiquer la nature, alors que tout ce que Megan a fait, c'est de trouver comment libérer le potentiel qui existe déjà à l'intérieur de notre ADN. C'est plus sûr et plus simple que tout ce que Hugh Darrow a inventé. Défaillance environnementale, sous-section 6 des laboratoires. Tous les chefs de service doivent se manifester. Bon, ne prenons aucun risque, surtout pas ce soir. Prenez mon ascenseur pour y aller. Vous connaissez le code ? Ouais, 0451. Tenez-moi informé. Athènes, trouvez quelqu'un pour débrancher ce bazar. Tout de suite. Il faut aller voir ce qui se passe, Adam. Prenez mon ascenseur. Richard, où est Megan ? Des nouvelles ? Son implant GPL indique qu'elle se déplace dans les labos de microchimie. Je crois qu'elle court. Merde, la défaillance a dû toucher un équipement vital. Vous l'avez en visuel ? J'essaie, mais les intellicams ne répondent plus. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir, Jensen. Vite ! Richard ? Richard ! Vous pouvez prendre certains objets de l'environnement et les déplacer. Quand une fusillade démarre, il est préférable de vous mettre à couvert. Cela vous protégera des balles et des explosifs. Pour tirer, jetez un coup d'œil rapide depuis votre abri, sur le côté ou par-dessus.
que veux-tu ? Cette artère. La vache, j'ai jamais vu un verre aussi épais.
Adam, ici David. Vous êtes arrivé ? Ouais, je suis dans l'entrée. Désolé d'écourter votre convalescence, mais nous avons un problème. Une intrusion dans notre usine de Milwaukee Junction. Retrouvez-moi à l'Ellie Station. Je dois d'abord passer voir Pritchard. Mon amplificateur rétinien fonctionne mal. Frank est au deuxième niveau dans le labo technique. Faites vite. Des vies sont en jeu. Je sais. Mais pourquoi David retarde l'intervention du SWAT ? Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous êtes resté coincé dans un conduit de ventilation en venant ici ? Moi aussi, je suis content de vous voir, Francis. Mon amplificateur rétinien fait des siennes. Vous pouvez le réparer ? Si, c'est bien ce que je crois. Sans doute. Mais ça risque de piquer un peu. Apparemment, vos processeurs graphiques droit et gauche étaient mal synchronisés. Mais ne vous inquiétez pas. Votre implant de soins sentinelle va s'activer et réparer les dégâts éventuels. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Le programme de reconnaissance ne repérera pas encore les ennemis, mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée. Les données biomédicales aussi, en cas de douleur. Bon, vous avez fini ? Parce que ça arrive maintenant à l'Ellie Station. Je sais. Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des otages. Peut-être que cette fois, vous sauverez quelqu'un. C'est votre jour de chance. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Adam, vous êtes encore loin de l'Ellie Station ? J'y suis presque. Bon, parce que l'intervention du SWAT serait catastrophique en termes d'image. Retrouvez-moi dans l'hélico. Je vous ferai un point sur la situation. Contente de te revoir, Jensen. J'aurais jamais cru que ça arriverait si vite. Tu sais ce que c'est, Malik ? L'appel du devoir. Ouais, comme tu dis. J'étais à mi-chemin du sommet du Renaissance Center quand j'ai reçu l'appel d'urgence. Mais toi, 6 mois, ça fait pas beaucoup pour revenir d'entre les morts. T'es sûr que t'es prêt ? Y a qu'un moyen de le savoir. Comme tu dis. Le patron est déjà à bord. Il se dispute avec l'équipe d'intervention de la police. Ils ont cerné l'usine, mais Monsieur Sarif veut que tu entres le premier. T'es prêt ? Parce que plus vite on décolle, plus vite on pourra régler ce problème. Je suis prêt. Parfait, alors on décolle. J'ai dit à Farida d'atterrir sur un toit. Je ne veux pas que le public vous voie entrer. Très bien. Mais je veux qu'elle reparte avec vous aussitôt. Alors à quoi je dois m'attendre ? Qui sont ces types ? Des puristes pro-humanité. Enfin, c'est ainsi qu'ils se présentent. Les mêmes qui font sauter des cliniques en plip dans tout le pays. Vous y croyez ? C'est pas une coïncidence. Ils attaquent aujourd'hui au moment précis où le Typhoon arrive sur le site pour passer sur la chaîne de montage. Le Typhoon ? L'équipe de Megan le testait le jour où ce salaud... Qui commande tous ces gars ? Adam, je sais que Megan et vous aviez... Qui commande tous ces gars ? Un certain Sanders. C'est lui, là. Il n'a aucune augmentation, Adam.
ce qui signifie qu'ils n'étaient pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqués. Mais ils savaient par où entrer dans notre usine. D'accord. Vous voulez que je m'y prenne comment ? La priorité absolue est le Typhoon. Je retiens le SWAT tant que le Typhoon n'est pas sécurisé. Pour ce qui est de l'approche, que proposez-vous ? Mortelle ou incapacitante ? Je prends pas le moindre risque. Mortel, donc. Mais souvenez-vous, ils ont des otages. Et je ne voudrais pas que nos employés soient pris entre deux feux. Vous vous souvenez de la disposition des lieux ? Beaucoup de couloirs étroits et clos. Mais des labos plutôt ouverts. Des plafonds hauts. Alors, vous voulez une arme de tir à distance ou de combat rapproché ? Je préfère une arme à distance. S'ils sont trop près, je les aurai au corps à corps. Essayez quand même de ne pas faire trop de dégâts. Le Typhoon devrait se trouver dans les labos d'ajustage, mais Pritchard vous en dira plus. Je l'ai chargé de rester en contact avec vous. Merveilleux. Autre chose ? Voyez si vous pouvez trouver les otages. Libérez-les si possible. Mais le Typhoon est la priorité absolue. Nous l'avons développé pour des agences fédérales. Alors il doit rester intact et secret. Je suis sûr... Vous vous en tirerez très bien. Messieurs, l'atterrissage est imminent. À tout moment de la partie, vous pouvez ouvrir le menu de jeu. L'inventaire contient tous les objets que vous transportez. Sa capacité est limitée, mais peut être accrue avec des augmentations. Dans votre inventaire, vous pouvez déplacer les objets, les examiner et les combiner avec des améliorations. Dans le feu de l'action, vous pouvez utiliser l'inventaire rapide. Il vous permet de prendre une arme rapidement ou de changer de type de grenade. L'écran des objectifs vous fournit des détails sur vos missions et objectifs. À tout moment de la partie, vous pouvez ouvrir le menu de jeu.
C'est vous le type qu'on est obligé d'attendre depuis des plombes ? Jensen, sécurité de Sarif Industries. Jensen ? Ouais, je me disais bien que je vous connaissais. Vous étiez dans le groupe 2 jusqu'au désastre de Mexican Town. Je dois vous dire que je vous voyais pas du tout vous reconvertir dans le privé. Les gens changent. Pas toujours en mieux. Bon, allez-y et faites ce que votre patron veut que vous fassiez. Parce qu'on aimerait pouvoir faire notre boulot, nous. On a des employés à l'intérieur. Vous savez vers où je devrais chercher ? Ouais. La directrice de l'usine, Josie Thorpe, a réussi à nous appeler avant qu'il lui prenne son portable. Elle a dit que les otages étaient rassemblés dans un bureau près des labos de montage. C'est logique. Ils se préparaient à lancer une nouvelle production. Donc ils devaient travailler là. Ça, c'est plutôt votre partie que la mienne. Autre chose ? Vous avez l'air bien installé. Quel est le plan d'action ? On a Alpha en pointe et Bravo en soutien. Les deux équipes sont prêtes au point d'insertion. Elles sont coordonnées d'ici, mais pour l'instant, on attend le feu vert de votre patron. Et en réalité, vous me laissez combien de temps avant de lâcher les cow-boys ? Si on suit le protocole, aucun. Mais si on écoute vos avocats, plus vite vous irez, plus vite on pourra entrer en piste et rétablir la situation avant qu'elle nous pète à la gueule. Pour les puristes, vous me faites un topo ? Vous voulez savoir quoi ? Ils sont combien à l'intérieur ? Difficile à dire. On en a vu 3 dans la cour, peut-être 5 ou 6 à l'intérieur. Mais c'est très approximatif, puisque tout ce que les Intellicam envoient, c'est un enregistrement en boucle. C'est impossible. J'ai spécifié à Sarif que Pritchard devait réviser tout le système. Ouais, ben, doit y avoir un petit génie parmi les puristes. Parce que tout ce qu'on a, c'est une boucle. Donc ils peuvent être 5, 10 ou 50. Leur chef s'appelle Sanders, c'est ça ? C'est qui ce type ? Zig Sanders, on est en train de fouiller son passé. Pour l'instant, on sait qu'il a servi 2 fois dans le Golfe, dont une dans le programme militaire de requalification. Il aurait des augmentations ? Sarif me dit le contraire. Il en a eu, oui. D'après lui, elles lui ont fait faire des trucs dégueulasses, et il les a fait enlever. Et il a tout un groupe de gamins paumés qui croient à ses conneries et qui sont prêts à mourir pour lui. Ou à tuer. Est-ce qu'ils ont donné leurs revendications ? Pas encore, mais je ne crois pas qu'ils soient si structurés que ça. Ceux qu'on a vus ressemblent davantage à des paumés, des vandales. Le genre qui s'éclate à détruire du matériel high-tech. À mon avis, il n'y a que leur chef qui est à prendre au sérieux. Bon, j'en sais assez. C'est sûr ? Je voudrais pas que votre patron vienne se plaindre. Je prends les choses en main. Tenez-vous prêts et attendez notre feu vert. Comme si on avait le choix. Il était temps. Quelqu'un vous a dit qu'ils avaient des otages là-dedans ? Eh ben, vous avez mis le temps. Cette porte conduit à un autre toit qui surplombe les quais de chargement. C'est le meilleur chemin. Allez-y. Jensen, c'est moi, Pritchard. Où êtes-vous ? Sur un toit qui domine l'usine. Bien. Votre point d'infiltration est sûrement le service manutention. Sûrement, Francis ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une entrée pour les employés. Sans doute bien gardée par les puristes. Alors, si vous voulez éviter l'assaut frontal, je crois que vous pourriez passer par le toit du bâtiment.
Ouais, tout est sous notre contrôle. Aucun signe du SWAT. Y'a personne par ici. Richard, je suis dedans. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris.
Hey, si t'es là, tu ferais mieux de te montrer. T'as encore fumé ? J'avais... Aïe !
Dans les usines de production des sociétés de... Thank you.
est mort, salope. Jensen, je viens d'essayer de déverrouiller la porte des labos de montage. Mes codes administrateurs ne fonctionnent pas. Quelqu'un a modifié les protocoles. Quoi ? Vous n'avez pas colmaté, là ? J'y travaille. Mais tant que je n'ai pas identifié cette faille, vous devrez pirater la porte manuellement. Terminé. Lors d'un piratage, votre objectif est de prendre le contrôle des registres du système pour accéder aux codes de sécurité qui y sont contenus. Pour ce faire, vous devez naviguer sur le réseau en capturant ces nœuds. Vous lancez un piratage depuis votre point d'entrée dans le système, le port IO. Pour capturer un nœud, il vous suffit d'y placer le curseur et de maintenir la touche d'interaction. Un menu circulaire vous indiquera les programmes utilisables contre lui. Des ponts vous permettent d'aller d'un nœud à un autre. Les flèches vous indiquent si les ponts sont unidirectionnels ou bidirectionnels. Chaque fois que vous capturez un nœud, il y a une chance que le réseau détecte votre présence. Plus le niveau du nœud est élevé, plus ce risque est élevé. Si vous êtes repéré, le réseau tentera de trouver votre point d'entrée pour vous expulser du système. Mais si vous parvenez à prendre les répertoires avant que le traceur réseau n'atteigne votre port IO, vous serez tiré d'affaire. Il faudra juste être rapide. Access granted. Accès autorisé. Tu l'as tué, mec! Il l'a bien cherché. Fallait pas me traiter de fanatique. Non, merde, non! Je vais pas en taule pour ça, moi! Désolé, Trevor, mais quand cette bombe aura sauté, y a beaucoup d'autres augmenteurs. Putain de merde! Ah, on va se taper! Je vous vois!
Ne perdez pas de vue. Je vois, sale câblé. N'utilisez pas... Temporisateur automatique armé. Où sont les démineurs? Faites-nous sortir d'ici! Vite! Faites-nous sortir d'ici! Faites quelque chose! Où sont les démineurs? Faites-nous sortir d'ici! Vite! Richard, informez Sarif. J'ai trouvé les otages. Et comment vont-ils? Ces salopards ont utilisé du gaz mortel à libération retardée. Oh non. Jensen? Je sais. Sanders va devoir payer pour ça. Après les gardes, les systèmes de sécurité doivent être votre principale préoccupation. Car si vous déclenchez une alarme, la sécurité sera renforcée.
Détruire ces systèmes serait une mauvaise idée. Il vaut mieux tenter de les contourner. Vous devriez d'ailleurs y arriver assez facilement en vous déplaçant au bon moment. Si malgré tout vous déclenchez une alarme, des gardes se mettront à votre recherche. Heureusement, l'état d'alerte ne sera pas maintenu très longtemps. Ils le lèveront dès qu'ils penseront que vous avez fui la zone. Après les gars. Qui est là ? Les allégations de ces chercheurs. La commission étant reportée sine die, on se demande si ces attaques n'ont pas une autre raison. Nous revenons sur l'événement du jour à Détroit. C'était quoi ? Merde, tu sors d'où, toi ?
Il s'agit de la deuxième attaque contre cette entreprise spécialisée dans les biotechnologies. La première avait eu lieu il y a 6 mois, à la veille d'une commission très controversée visant à vérifier les allégations de ces chercheurs. La commission étant reportée sine die, beaucoup se demandent si ces attaques n'ont pas une autre raison. David Sarif aurait-il quelque chose à cacher? C'était Elisa Kassan, en direct pour Picus. Accès autorisé. Pour débloquer de nouvelles capacités ou augmentations, vous devez d'abord gagner de l'expérience sous forme de points. Vous recevrez ces points en remplissant les objectifs principaux, les quêtes secondaires, ou via des bonus spéciaux, comme terminer une mission sans vous faire repérer. Une fois que vous avez accumulé assez de points d'expérience, vous recevez un point de dynamisation. Ces points sont utilisés pour débloquer des améliorations pour des augmentations existantes.
et pour débloquer de toutes nouvelles augmentations. Les kits de dynamisation que vous pouvez trouver en explorant l'environnement ou acheter dans les cliniques Amplib vous fourniront également des points de dynamisation. Pour débloquer une augmentation ou une amélioration, choisissez-la sur l'écran des augmentations, vérifiez son prix, et si vous avez assez de points de dynamisation, activez-la. Certains obstacles, comme les tourelles, les caméras et les robots, peuvent être contournés par le piratage. Il vous suffit de trouver un relais de sécurité contrôlant ces obstacles et de le pirater. Les programmes capturés et fortifiés sont vos principaux outils de piratage. Vous pouvez améliorer leur niveau avec l'augmentation de piratage. Le niveau des nœuds influe sur la vitesse à laquelle le réseau peut les traiter. En conséquence, les nœuds de niveau élevé le ralentissent. Vous pouvez ralentir encore plus le réseau en fortifiant les nœuds pour augmenter leur niveau. Vous pouvez aussi utiliser un verre ralentisseur pour arrêter complètement le processus de traçage pendant quelques secondes. Enfin, pour éviter de vous faire repérer quand vous prenez un nœud, vous pouvez utiliser le virus atomisé qui a 0% de chance d'être détecté. Les programmes atomisés et arrêtés sont des virus. Leur nombre est limité, alors utilisez-les à bon escient. Le compteur en haut à droite de l'écran vous permet de savoir combien il vous en reste. Lors d'un piratage, il y a trois types de nœuds à capturer. Les répertoires contiennent des données insignifiantes. Ils ne vous servent qu'à progresser vers votre destination. Les interfaces de programmation sont des fonctions système utilisables contre le réseau. Ils peuvent le ralentir en le spammant ou réduire le niveau des nœuds pour les rendre plus faciles à capturer. Les banques de données contiennent des informations précieuses pouvant vous rapporter de l'argent, des programmes ou même des points d'expérience. Les récompenses que vous découvrez sur le système ne sont à vous que si vous parvenez à pirater le dit système. Autrement, elles ne sont pas téléchargeables. Hormis les caméras et les portes, vous ne pourrez pas désactiver de système de sécurité avant d'obtenir l'amélioration d'augmentation adéquate. Thank you.
Accès autorisé. Écartez-vous du terminal! Vite! Aidez-moi! Oh merde! Richard, vous êtes là? Où voulez-vous que je sois ? Passez-moi ça, Riff. Vite. Adam, c'est David. Vous avez le Typhoon ? Oui. Mais vous aviez raison. Il se passe quelque chose de louche. J'ai sur les bras un puriste mort, avec de superbes implants cérébraux. Ne le touchez pas. Il nous faut un expert pour récupérer son relais neural. Il est peut-être piégé. Entendu. Qu'est-ce que je fais pour Sanders ? Les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire. Trouvez-le avant eux. Et réglez le problème. Thank you.
Ozzy qui a rien trouvé de compromettant. C'est ça qui parle. Mais... On va s'amuser un peu. Accès autorisé. Arrête de mentir! Je veux pas te faire de mal. T'es une civile. Mais si tu te fous de moi, j'hésiterai pas. Vous voulez de mal à personne? Alors il fallait rester chez vous ce soir. Tiens, tiens! Le chien de garde de Sarif. Tu fais le ménage avant que la police arrive. Il croit que nous enfreignons la loi. La ferme! Les augmenteurs sont tous des criminels. Vous êtes tous les mêmes. Quand le monde va apprendre qu'il y avait un augmenté dans votre équipe, vous allez avoir du mal à rester crédible. Quoi ? J'ai trouvé votre pantin dans les labos d'ajustage, en train de trafiquer la sécurité avec son implant pirateur. Bien essayé, Jolo. Mais il n'y a aucun de ces tarés dans mon groupe. Ah ! Recule, l'amplifié ! J'ai des choses à faire, tu comprends ? Si ce que tu dis est vrai, et je dis pas que ça l'est,
dois... Je dois en avoir le cœur net. Alors moi, à la vieille, on se tire. Pas question, lâchez-la tout de suite. T'as son sang sur les mains, cabron. Adam! Adam, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre situation? Sanders est mort. Mais il ne savait pas pour l'augmenter ou le typhoon. Il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Merde. Bon, vous feriez bien de revenir. Il y a un toit terrasse sur le bâtiment administratif. Farida vous prendra là-bas. Compris. Terminé. C'est pas comme ça que t'imaginais ton boulot, hein, Jensen? Comment ça? Infiltrer ta propre usine pour dissimuler le typhoon pendant que ton patron retient les flics. Enfin, je l'aime beaucoup, Monsieur Sarif, mais quand les contrats comptent plus que les êtres humains, ça me rend malade. Je pensais que toi aussi. C'est pas à moi de juger, Malik. Si tu le dis. Bon, t'es prêt ? Ouais, emmène-nous loin d'ici, Malik. Tes désirs sont des ordres. Allez, grimpe. Des ordres viennent d'arriver, Jensen. Le patron veut que Pritchard examine le typhoon au plus vite. C'est noté. Merci pour la balade. Je t'en prie. Et, Jensen, je voulais te dire, ton nouveau look. Super. On n'imagine pas tout ce qui t'est arrivé. Merci. Et ça fait quel effet d'être augmenté ? Excuse-moi. Le prends pas mal. Moi aussi, j'ai des amplificateurs neuraux, très discrets, pour améliorer mon pilotage. Et puis moi, j'ai choisi de les avoir, ces implants, pas toi. Alors, maintenant que tu les as essayés, qu'est-ce que t'en penses ? T'as raison. J'ai pas choisi d'être augmenté. Et je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu le choix. Mais je me sens bien aujourd'hui. Vraiment bien. Le docteur Reed disait que tu t'y ferais. Que c'était dans tes gènes. Mais vas-y, mollo. Beaucoup de gens pensent que c'est pas pour rien que le corps rejette ces trucs après un certain temps. Je t'aurais pas cru du genre à te lancer dans des débats métaphysiques, Malik. T'as raison, c'est pas mon truc. En plus, j'ai des amplificateurs neuraux. Je dis juste qu'il faut vivre avec les conséquences des choix qu'on fait. Ouais. Va dire ça au salopard qui m'a mis dans cet état. Évidemment. Mais tu sais quoi ? T'es pas le seul à vouloir mettre la main sur ce type. Alors si je peux te donner un coup de main, n'hésite pas. Eh bien, justement, tu peux me donner des détails sur la première attaque ? Bien sûr. Quel genre ? J'ai réfléchi au motif de cette attaque. J'arrive pas à comprendre leur objectif. C'est pourtant clair, non ? Nous empêcher d'aller à Washington. Non, c'était une coïncidence. La commission aurait pu être reportée, et quelqu'un d'autre aurait pu présenter les travaux de Meghan. Je crois pas, Jensen.
Ils ont éliminé toute notre équipe. Declan Faherty, Vassily Shevchenko, Nia Colvin, même Eric Koss. Les labos où on a retrouvé leur corps... étaient carbonisés. Oui, je sais. T'as échappé aux flammes parce qu'un pan de mur s'est écroulé sur toi. Et ça t'a sauvé la vie, aussi incroyable que ça paraisse. Alors toute l'attaque visait à détruire les travaux de Megan. Ça en a tout l'air. Monsieur Sarif espère tout reconstituer, mais ça prendra sans doute des mois, s'il arrive à éviter la faillite jusque-là. Est-ce que quelqu'un les a vus, ceux qui nous ont attaqués ? Pas suffisamment pour avoir des données exploitables. Richard a récupéré quelques images floues d'une des Intellicam, mais les enregistrements ont été saisis par la sécurité d'État. La sécurité d'État ? Il paraît que la criminelle a transmis le dossier au bureau des enquêtes spéciales de Détroit. C'est vrai, le premier mois. Après ça, tout ce que je sais, c'est que l'enquête est en cours, et M. Sarif est plutôt mécontent. T'étais ici cette nuit-là. De quoi est-ce que tu te souviens en particulier ? C'était la confusion totale. D'abord, tout le monde a cru à un accident, mais Pritchard n'avait plus aucun visuel et les communications étaient très perturbées. Ensuite, on a entendu les explosions. Et quand on a réalisé ce qui se passait... ils étaient partis. Je sais pas qui c'était, Jensen. Mais c'était des bons. Très bien entraînés. Je les retrouverai, Malik. Je les retrouverai. J'en suis sûr. Et tu peux compter sur moi ce jour-là. Je serai à tes côtés. Je te remercie, Malik. Mais pour l'instant... tu dois livrer le Typhoon ou la Beau Technique. Ouais. Bon, à bientôt alors. Jensen. Le patron veut un débriefing complet dans son bureau quand le Typhoon sera en sécurité. Bien sûr. Bonne nuit, Malik.